jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de Pokémon Ash Gray. C'est parti. Précédemment, on avait réussi à capturer un chenipan qu'on a fait évoluer en grise acier. On a capturé un petit Rockoufs. Et on s'est fait défoncer deux fois par la Team Rocket. Allez, on continue. Donc, pour ceux qui se souviennent ou pour ceux qui ne connaissent pas, cet homme mystérieux nous explique d'où on va aller, en fait, la ville. C'est... Et qui est-ce? C'est bien sûr le père de... C'est bien sûr le père de Pierre. Ah, moi, je t'achète rien. Merde, je t'achète rien. Parce qu'on a des trucs à vendre non plus. J'ai pas besoin de tes pans, moi. Allez, on y va! On essaye de nous vendre ces pierres-là. Donc, on va un peu soigner nos Pokémon. C'est bon, on a soigné nos Pokémon. On va repartir directement pour l'aventure. Allez, moi j'ai pas que ça à faire. J'ai un badge à récupérer. Pierre! Viens, je veux t'affronter! Je suis sûr que je peux te battre. Pierre, qui m'a envoyé Rakaillou. Ah non, Onyx. Ok, le mec direct Onyx, quoi. Donc, dans cette version, nos Pokémon électriques peuvent attaquer les Pokémon Roche. Niveau 14, on est niveau 14, attention, attaque. Pikachu, attaque éclair! C'est pas très efficace. Par contre, ses attaques, lui, le sont. Techniquement, on est censé perdre. Après, je sais pas si on gagne... Est-ce que si on gagne, on gagne le badge? Je ne sais pas. Mais normalement, on est censé perdre. Parce qu'après, on va aller s'entraîner avec le père de Pierre. Et comme ça, notre Pikachu va être ultra cheaté. En plus, on gagne un peu en trichant. Ah, mais genre, il est jamais paralysé, lui. Étant donné qu'on va gagner grâce aux bornes anti-incendie qui vont se déclencher. Et qu'on va envoyer Chenipan, qui a évolué en crise acier, bien sûr. Attaque charge! Ok. C'est pas très efficace. On broche. Damn! C'est super efficace. On est en train de merde. Du coup, on vient de perdre notre crise acier. Allez, à toi, recoupe, ça doit jouer. On va envoyer un quick attack. Pas très efficace. Oui, cool, pour une fois, il est paralysé. C'est pas mal. On va attaquer ça. Sois paralysé. Ah, ton broche. Oh, ça va, ça fait rien. Ça c'est quoi déjà? Ah ouais, tornade. Normalement on peut gagner, je pense. Allez, sois paralysé. Putain, il est jamais paralysé. Merde. On fait que de perdre. On fait que de perdre. Pierre.
Pikachu et Spoodoo, Du coup, vu qu'on a perdu contre Pierre, il y a quelqu'un qui vient nous aider maintenant. Reviens me voir que tu seras plus fort. Allez, dégoûté. Oh, il y a quelqu'un qui vient nous aider, c'est le vieil homme. Ouais, dans le vieux moulin, on va s'entraîner avec Pikachu à devenir beaucoup plus fort et à pouvoir enfin battre Brock et Pierre. Parce que là, il nous explique qu'en fait, Pierre ne peut pas partir parce qu'il doit s'occuper de tous ses frères et sœurs. Mais nous, on va arranger ça. On va s'entraîner ici. Pikachu. Du coup, on va recevoir un Light Ball. Belle lumière, je crois. C'est ça ? En cette tête. Et du coup, avec Belle lumière, on va être encore plus puissant. Pierre, il fait trop son malin. Hein. Allez, c'est parti. Moi, je veux me battre. Je me suis bien entraîné. Cette fois, je compte bien gagner. Que le match commence. Les Pikachu attaque à éclair. C'est quoi ça? Putain, il fait vachement mal quand même son racaillon. Hein. Allez, Pikachu! Ou l'armure. Allez, encore un coup, on gagne. Et brosse à pierre! On a battu Pierre. Mais non, c'est pas possible. Non. Onyx, live Onyx alone. On voit Onyx. Stop, il a gagné. C'était un match officiel. Ah non, c'était pas un match officiel. Le match commence maintenant. Il nous met la douille. Est-ce que mon Pikachu a récupéré des points de vie, moi? Même pas, quel bâtard. Pikachu attaque éclair. Ouf, ça est paralysé. Du coup, moi je vais la jouer un peu et continuer un peu voir. On va mettre Chenipan. Il va servir un peu de muraille le temps que je sois une Pikachu. Continue de pleuvoir. Il fait beaucoup de potions en plus. On rush, ça va moins de shot. Ouais. Pas vraiment efficace. Je n'ai pas. Mais assez plutôt. Allez, Pikachu, à toi de jouer. Attaque éclair.
Et espérons qu'il soit paralysé. Ah, continue de le voir. Normalement on le tue. J'espère. Oui. Non, Pierre techniquement part avec nous à l'aventure. Aventure. Donc là, il y aura plein de matchs. Allez, on va avancer tout ça. Du coup, on a battu tout le monde et on continue d'avancer. Cette fois, on se retrouve normalement. On va se retrouver dans la montagne avec les Mélodelfes. Oh, c'est les Mélodelfes. Ou non, les Mélofées. Et on va retrouver pas mal de trucs. C'est cool, on soigne le petit Bobby. Ah ouais, must faire un petit attaque, help me. J'arrive. Oui. Non, c'est un petit. Pikachu, allez, petite attaque éclair au calme. Et hop. Ah, merci de m'avoir sauvé. Mon nom est Seymour, le scientifique. Et je crois qu'en fait ils cherchent à voir si les Pokémon sont terrestres ou viennent d'une autre planète. Et là ils cherchent la pierre lune. Alors, y a-t-il des trucs? Non. Ok, c'est parti. On se retrouve dans la grotte. Ah bah on retrouve la Team Rocket. C'est pas trop tôt. Cette fois, on gagne. La vérité, on gagne cette fois. Ils nous mettent 2-0. Moi, je ne tolère plus la défaite contre la Team Rocket. Surtout que normalement, on est beaucoup plus fort qu'eux maintenant. Allez mon petit Rocops, je compte sur toi. Attaque Tornade. Elle prend ça. Petite attaque morsure qui nous fait rien du tout. Ça c'est quoi? C'est flair, non? Allez, un petit vive attaque. Bien wesh, bien wesh. Bien wesh mon recours. Je vais m'envoyer ce mago, t'inquiète. Je trouverai mon petit chenipan. Enfin mon petit crisacier. Allez. Purée de foie. Purée de foie. Ouais, c'est purée de foie ou c'est poudre toxique ça? Je crois que c'est purée de foie. Bon. C'est juste pour qu'il gagne un peu d'XP. Parce que là on va envoyer notre arme fatale. Pikachu! Qui est bien niveau 21. Non, ne sois pas empoisonné. Putain. Ah mais ils le font exprès. Et attaque éclair. C'est bon, on a enfin notre revanche. On a enfin niqué ces merguez. C'est bon. La Team Rocket, 2, nous, 1, mais ne vous inquiétez pas, on va rattraper. Youpi! Je vais pas en prendre le niveau 12. Crise acier prend le niveau 12. On gagne enfin contre la Team Rocket. What? Crise acier évolue? Tout, tout, tout. Tout.
évolue. Oui, il a évolué. Il apprend poudre toxique. Voilà, ça c'est poudre toxique. On a enfin trouvé la pierre lune. Ouais, on a obtenu la pierre lune. Mais non, mais faut pas déconner. On est là, on va voir les mélophées, l'autre il s'incruste comme ça, non mais d'où? Quoi, la Team Rocket encore là pour nous faire, nous mettre des bâtons dans les rues, ils veulent nous voler notre pierre lune. Ça va pas se passer comme ça. Mélophée, mélophée. Attaque métronome. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers notre ciel. Quoi, tu as trouvé la pierre lune? Merci d'avoir sauvé, en fait on n'a rien fait du tout mais bon. Allez, et là il part, je crois il part avec les mélophées dans le dessin animé en fait. Merci d'avoir sauvé les mélophées. De rien. Mais on peut pas être tranquille quoi. Voici en route 4 pour aller direction Azuria. Allez, c'est parti, on va à la reine d'Azuria. Et nous, on va mettre notre petit Pikachu en avant. Comment on sort? Ouh. Non, surtout que j'ai pas de sauvegarde hein. Putain, j'ai le seum là, parce que je suis... J'ai fait tout ça pour rien. Bah allez, vous savez quoi? On se retrouve... Dès que j'aurai tout fait, il est 16h25, on va voir en combien de temps je reviens ici. Allez! Bon allez, c'est reparti! Donne-moi ton Starry! Ça fait vachement mal. Comment on one shot là? Et Andine va nous envoyer son Staros qu'on va envoyer Papillusion. Putain, pourquoi tu rates ça? Yes. Oh, bon, au moins il est empoisonné, en espérant que ça se finisse. Dans le... Oh, mais en plus, c'était ma dernière.
Non, je me suis trompé. Oh, le débile. Oh, putain. C'est pas ça que je laisse, t'es bête une potion. Encore se guérir un petit coup. Oui. Notre deuxième badge. Attends, c'est où la caméra? Elle est là. Mais on a battu Misty. Ah, qu'est-ce qui se passe? La Team Rocket. Toujours là, arrivé avec sa petite machine qui veut capturer tous les Pokémon. Bien sûr, on va récupérer le Pikachu. Il faut sauver tous les Pokémon. Oh. Et c'est parti pour notre second duel. Aujourd'hui avec la Team Rocket. Normalement on est censé égaliser à deux partout. Et c'est parti, Rocket Go. Allez, Chenipan, à toi. Chaque fois je veux. Papillusion, à toi de jouer. Putain, ils vont réussir à mon poids, c'est sympa. On va envoyer Pikachu. Et hop, de partout. J'espère que ce second épisode vous aura plu. On se retrouve très vite. Allez, c'était Bofi, même chaîne, même présentateur, même bonheur. Bye bye.